Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Commençons notre programme d'aujourd'hui. Nous sommes à notre deuxième jour de ce temps précieux de prière. Et je voudrais que chacun de nous comprenne que c'est notre foi qui va nous conduire à des résultats importants dans notre vie. Parce que tout bonheur commence avec un bon état de santé. Vous devez être en bonne santé pour pouvoir siroter le bonheur. Je voudrais que tu prennes ce programme à cœur. C'est pour ta vie. Le Seigneur disait, ta foi t'a guéri. Nous n'avons que ces moyens à travers le média, la foi. Personne ne viendra pour t'imposer les mains. Tu dois croire tout simplement que Jésus-Christ, qui était mort à la croix, qui a payé de son sang pour toi, qui a versé son sang pour le pardon de tes péchés et pour ta guérison physique. C'est Jésus-là qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour et vivant. Ça, c'est la première des choses qu'il faut croire, qu'il est vivant. Le reste, c'est la guérison. C'est ce que lui, il va faire pour toi. Alors, nous continuons notre prière pour la délivrance et pour la guérison. Aujourd'hui, nous avons un texte que nous lisons pour exhortation avant d'entrer dans la prière. Et la Bible nous dit clairement que le lendemain, nous sommes donc dans Luc 9, de 37 à 42. Luc 9, 37 à 42. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de les chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Nous avons ici un texte important, un texte qui nous permet de commencer notre prière de délivrance et de guérison de ce soir. Je voudrais te dire d'abord que la délivrance commence avec une prise de conscience. Tu dois prendre conscience que ta situation nécessite une délivrance. Tu dois prendre conscience que ta situation n'est pas normale,
qu'il y a un esprit mauvais qui tourmente tel domaine ou tel autre de ta vie. Lorsque tu prends conscience, c'est alors que tu as besoin de délivrance. Tant que tu n'as pas pris conscience qu'il y a un démon qui agit quelque part, tu chercheras à trouver des solutions humaines aux problèmes spirituels. Et c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, je crois que tu prendras cette conscience-là. Tu prendras conscience du fait qu'il y a tel domaine de ta santé ou tout autre qui est tourmenté par un démon. Et lorsque tu prends conscience, comme c'est le père de cet enfant, tu vas chercher Jésus. Ce père dit clairement, parce que lorsqu'il parle à Jésus-Christ, il dit ceci, il est précis, il dit « Je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Le père dit, il ne dit pas « Je pense que, je crois que, je suppose. » Non, il est précis, il est clair. Il dit « Un esprit le saisit. » Cet homme ne voit pas un démon. Aucun être humain n'est capable de voir un démon. Mais ses pères a discerné, il a compris que la situation de son enfant n'était pas naturelle. Il y avait un esprit satanique qui combattait son fils. Voilà pourquoi il dit, un esprit le saisit et aussitôt, il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence. Il sait que quand l'esprit saisit son enfant, quand le démon saisit son enfant, l'enfant pousse des cris et l'esprit l'agite. Quand l'enfant s'agite, ce père ne dit pas que son enfant s'agitait inutilement. Mais il dit que c'est un démon qui agitait cet enfant avec violence, qui le faisait écumer. Et le démon a de la peine à se retirer de lui. Il ne se retire qu'après l'avoir tout brisé. Parce que le rôle du diable, c'est de détruire, de voler et d'égorger. Le père de cet enfant, de ce garçon, est précis. Il est conscient que c'est un démon qui est en train de détruire la vie de son enfant. Aussi, il s'approche du Seigneur avec cette assurance, avec cette conviction qu'il a trouvé l'esprit supérieur qui peut mettre en déroute ces démons. Il parle à Jésus et lorsqu'il parle à Jésus, il dit « J'ai demandé à tes disciples de guérir mon enfant, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus n'est pas content des disciples. Il parle d'eux comme étant une race incrédule et perverse. C'est-à-dire, il traite ses disciples d'incrédulité. Il dit qu'ils n'ont pas la foi. S'ils avaient la foi, ils allaient mettre ces démons dehors. Voilà une autre chose que nous devons retenir. Tu prends conscience du fait que ta santé dans tel ou tel autre domaine est tourmentée par un démon. Tu prends conscience que ta vie est tourmentée par un démon dans le domaine où ça ne marche pas, bien entendu. Tu sais, lorsque tu as pris conscience, tu sais maintenant qu'il y a quelqu'un de plus grand qu'un démon. Tu sais qu'il s'appelle Jésus. Maintenant, tu crois en lui. Tu dois croire que celui-là qui est plus puissant qu'un démon va me guérir. Il va me délivrer de ce démon. Tu t'approches de lui. La foi. Voilà pourquoi nous insistons sur la foi. Jésus a dit à ses disciples que vous êtes une race incrédule. Si vous n'avez pas pu chasser ce démon, c'est à cause de votre incrédulité. Vous n'avez pas cru que ce démon va partir. Il est temps que tu cesses de regarder le sorcier qui tourmente ta vie comme étant le Tout-Puissant. Il est temps que tu cesses de regarder ta situation comme une situation désespérée qui ne peut pas se remettre. Il est temps que tu cesses de regarder ta cause comme une cause perdue. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui décide sur le destin des hommes. Il s'appelle Jésus-Christ. Crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Il n'y a aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres capable de s'opposer au nom de Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus communique la vie.
Seul le nom de Jésus guérit. Seul le nom de Jésus-Christ délivre. Il est important de le croire. Il est important de le suivre et de savoir que devant Jésus-Christ, nous avons la vie. Alors, je voudrais que nous voyons qu'après, Jésus a chassé cet esprit, le démon est parti, l'enfant était guéri et tout était redevenu normal. Alors, prends maintenant conscience, regarde comment les démons qui agissaient dans cet enfant et faisaient du mal à cet enfant. L'enfant poussait des cris. Ce sont des cris de douleur que tu pousses dans ton cœur aujourd'hui. Ce n'est pas toi, c'est un esprit mauvais qui fait souffrir ton corps, qui te fait pousser ces cris de douleur. C'est un démon qui te fait pousser ces cris de douleur. Parce qu'un démon n'a pas d'amour. Il ne vient que pour détruire, pour voler et pour égorger. Il est donc important que tu comprennes que le salut ne se trouve pas auprès d'un esprit quelconque, mais auprès du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. Les démons brisaient cet enfant totalement. Chaque fois qu'il venait, il le brisait. Tu vis brisé, détruit dans la souffrance à cause de ces esprits mauvais. Prends conscience que leur place n'est pas dans ta vie. La place d'un démon n'est pas dans ton corps. La place d'un démon n'est pas dans ton esprit. La place d'un démon n'est pas dans ton âme. Aucun sorcier n'a le droit de gouverner ta vie. Révolte-toi contre ce genre d'esprit. Révolte-toi parce que tu as un Dieu qui est venu pour te libérer. Il est venu pour te racheter. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est ton rédempteur. Il est venu te donner la vie éternelle, te promettre un royaume incorruptible, mais aussi te donner la vie en abondance, t'accorder la guérison, la bonne santé, t'accorder une vie de paix, une vie de grâce, au cours de laquelle, dans laquelle tu ne manques de rien. Parce que David le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ton droit de pouvoir en parler. Et c'est vraiment une grâce, une bénédiction que Dieu te donne. Le Seigneur t'aime et il te donne cette bénédiction-là parce qu'il veut que tu sois heureux. Il faudra le croire. Prends conscience. Prends conscience. Si tu ne prends pas conscience qu'il y a un démon qui tourmente tel domaine de ta vie, tu ne pourras pas combattre ce démon. Et ce démon va considérer cela comme une alliance. Ce démon va rester là tranquille, considérer que tu l'acceptes dans ta vie. Révolte-toi contre ce genre d'esprit, car ce genre de démons se cachent toujours dans des maladies, dans des maladies que les hommes ont. Ils amènent la maladie, on te donne le nom d'une maladie, mais aucun médecin ne te donnera le nom du démon. Lui, il se cache. On dit, bon, il s'agit de telle maladie. Mais en réalité, il y a un esprit qui a amené ça. Voilà pourquoi les médecins ne s'en sortent pas. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui peut être résolu par les médecins, eh bien, allez-y, vas-y. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsque les médecins ne s'en sortent pas, il y a un problème. Tu dois discerner qu'il y a un esprit qui est derrière tout cela. Cet esprit peut venir dans les affaires, dans le mariage, apporter des divisions, des tourments dans les mariages. Cet esprit peut apporter des querelles, des disputes inutiles. Cet esprit peut venir bloquer un ministère, détruire un service que pourtant tu fais pour le Seigneur. Il faut que tu discernes qu'il est là et que tu le chasses. Cet esprit peut te cribler de dettes, de conflits familiaux. Jésus-Christ est ton Seigneur. Je suis vraiment heureux de te dire que Jésus-Christ est ton Seigneur. Il est le Dieu des dieux, il est le chef de tous les esprits et que tous les esprits lui sont soumis. Il faudra qu'aujourd'hui, tu chasses ces démons-là au nom de Jésus et je suis là pour t'aider à les faire. Il faut que ta liberté soit complète ce soir. Ne remets pas ta délivrance à demain, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous voyons également dans Marc 1, le verset 23 à 26, Marc 1, 23 à 26, la Bible dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Nous trouvons dans ce texte, quelque chose d'intéressant. On nous dit qu'un homme avait un esprit impur.
Mais comme Jésus était là, l'esprit n'était plus en paix. L'esprit a commencé à s'agiter. Et l'esprit a dit ceci, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Donc ce mauvais esprit a dit clairement qu'il y avait une différence. Il n'y avait aucun accord entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien entre vous et nous. Et lorsque cet esprit dit de la sorte, l'esprit ajoute, tu es venu pour nous perdre. L'esprit accepte la défaite. Le démon accepte la défaite. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le sang de Dieu. On nous dit que cet esprit est un esprit impur. Le même esprit reconnaît que Jésus-Christ est l'esprit et est le sang de Dieu. Voilà la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit impur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus, tandis que l'esprit impur, c'est l'esprit du diable. Alors là, l'esprit impur reconnaît la sainteté de Jésus. Qu'il y a une différence énorme. On ne peut pas concilier cette différence. Il y a d'un côté l'impureté et l'autre côté la sainteté. Et l'esprit là reconnaît que la sainteté a pris le dessus sur l'impureté. Le démon a avoué sa défaite. Le démon a dit, tu es venu pour nous perdre. C'est ce que Paul confirme lorsqu'il parle dans Colossiens 2, des 13 à 15. Il dit que vous qui étiez morts par vos offenses, Colossiens 2, 13 à 15, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le fait que Jésus ait pardonné tes péchés, il t'a rendu à la vie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La Bible vient de nous faire voir clairement que Jésus-Christ est le chef de tous les esprits. D'abord, il a commencé par nous pardonner. Son sang qui a coulé a pardonné tous tes péchés. Ne te condamne pas toi-même. Tu es lavé, tu es purifié. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Aucun homme n'est capable de se sauver par sa propre justice. C'est impossible. Nous sommes sauvés par la grâce, par la bonté de Dieu. C'est le Dieu des armées qui pardonne nos péchés, parce qu'il est le Dieu d'amour, de compassion et de miséricorde. Il nous a donné Jésus, son don de vie, son Fils unique. Le sang de son Fils a coulé pour pardonner nos péchés. Nous sommes pardonnés, nous avons donc la vie éternelle. Et aucun démon n'a le droit de venir nous arracher cette vie-là. Nous sommes bénis, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Là où il y avait la condamnation, l'acte où les ordonnances et les condamnations étaient écrites, le Seigneur a effacé cela. Et tout ce qui est effacé est totalement illisible. Personne ne peut plus lire cela. Lorsqu'on a écrit quelque chose au tableau et que vous prenez un frottoir, vous effacez les tableaux, plus personne ne peut lire ça. C'est impossible. C'est ce que Jésus a fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qu'il y avait comme condamnation est effacé. Il s'est devenu inutile. On ne peut plus utiliser cela. C'est inutile parce qu'on a tout effacé. C'est illisible, inutile, invisible, inexistant. C'est inexistant. Tes péchés sont inexistants. Il n'y a pas de condamnation. Et la Bible nous dit, il a détruit tout cela en les clouant à la croix. Crois au pardon. Ne te condamne pas, ne te juge pas toi-même. Sens-toi libre, tu es enfant de Dieu. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Dieu te regarde à travers le sang de Jésus. Ce qui a été fait à la croix n'a pas été fait pour rien. Dieu n'a pas laissé Jésus-Christ, son Fils unique, mourir à la croix pour rien. Il est mort pour ton salut, pour ta bénédiction et pour ta grâce. Alors, il a effacé cet acte. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Regardez comment Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations.
C'est comme quand on dégrade un officier militaire. On lui enlève tout. On le dépouille de ses galons. Alors, les esprits mauvais ont été dépouillés par le Seigneur. Toutes les dominations, les autorités sont dépouillées. Elles n'ont pas de force devant le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il était venu pour nous sauver, il nous a sauvés, mais il était venu pour perdre les démons. Ces démons avaient dit à Jésus clairement, tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Alors maintenant, il faudra passer à la prière. La puissance des démons, la puissance du diable a expiré depuis que Jésus est mort à la croix pour nous. La puissance du diable a expiré depuis que Jésus-Christ a payé de son sang. La puissance du diable a expiré depuis que Jésus a souffert à la croix et qu'il a vaincu la mort. La puissance du diable a expiré depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Il faudra les croire qu'il n'y a qu'un seul roi, un seul Seigneur, un seul qui règne, c'est Jésus-Christ. Alors crois seulement. Je voudrais maintenant, comme ce père qui avait amené son fils unique et ce père qui avait bien identifié les problèmes de son enfant, ce père avait dit que mon fils est tourmenté par un esprit qui l'agite, qui le brise, un esprit qui le fait souffrir. Et voilà pourquoi il a dû chercher Jésus-Christ pour que Jésus délivre son enfant. Je veux que toi aussi tu identifies maintenant le démon, qu'il y a un esprit qui tourmente ta vie. C'est le moment. Ce père avait dit, c'est mon fils unique, Seigneur. Viens me secourir, c'est mon fils unique. Je voudrais te rappeler que ta vie est unique. Tu n'as qu'une seule vie. Tu dois la protéger. Il n'y a qu'une seule vie que tu as. Tu n'en as pas deux. Tu as une vie. Une seule vie que Dieu t'a donnée. Comme ce papa qui avait dit, c'est mon fils unique, dis aussi au Seigneur, c'est ma vie unique. Je n'ai pas une autre. Je veux que tu me rendes heureux, que tu me délivres de cet esprit mauvais qui amène cette maladie dans mon corps, qui tourmente mes affaires, qui tourmente mon foyer, qui tourmente mes enfants, qui tourmente mes projets, qui me bloque. Identifie cet esprit, que cela soit un esprit de sorcellerie, de maraboutage, un esprit venant de n'importe où. Maintenant, je te demande, commence à chasser cet esprit. Avant que je ne prie pour toi, toi-même, révolte-toi. Révolte-toi maintenant. Commence à chasser ces démons. Chasse-les. Chasse-les loin de ta vie. Au nom de Jésus. Si tu peux marcher là où tu es, marche. Chasse ces démons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci car tu es bon. Car ta miséricorde durera toujours. Sois glorifié Seigneur. Sois adoré. Pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci Jésus-Christ. Merci toi qui es digne d'être adoré, toi qui es digne d'être glorifié, toi qui es digne d'être béni. Merci Seigneur, merci pour tes bontés infinies. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Chasse ces démons, ne les laisse pas. Continue à chasser cet esprit satanique. Mets-les en déroute. Chasse-les. Dis-lui que ta place n'est plus dans mon corps. Ton séjour est expiré. Tu dois partir maintenant. Ton séjour est expiré. Tu vis dans l'illégalité totale dans mon corps. Tu es dans l'illégalité totale. Il faut lui dire ça. Que tu es dans une illégalité totale. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Merci pour tes bontés infinies. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Tu es digne d'adoration. Tu es le Seigneur des Seigneurs et le Dieu des Dieux. Sois glorifié, sois adoré, sois béni à tout jamais. Merci Seigneur. Chasse ces démons, détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu des dieux.
Merci car tu exauces tes enfants. Tu bénis tous. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Je voudrais que tu pries avec moi maintenant. Répète ce que je vais dire, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je te remercie de tout mon cœur, car tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé de ta vie pour que je reçoive la vie. Tu as versé ton sang pour que je sois pardonné. Tu m'as donné la victoire. Merci, puisque la Bible me dit que j'étais mort par mes péchés. Mais toi, tu m'as rendu la vie en me faisant grâce pour tous mes péchés. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. La Bible me dit que ma condamnation a été effacée. Je te remercie, Seigneur, car je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu à cause de ton sang précieux, ton sang qui m'a sauvé. En ton nom, Jésus-Christ, je suis vainqueur car tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu as dépouillé les sorciers. Tu as dépouillé les marabouts. Tu as dépouillé les diables. Tu l'as complètement dépouillé. Par ta croix, sa puissance est expirée. Merci Seigneur, car maintenant tu as triomphé. Tu es vainqueur et tu me donnes cette victoire. Tu étais venu pour détruire les œuvres du diable. Tu les as détruites, Seigneur. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne peut me nuire. Ô Jésus-Christ, tu m'as donné ce pouvoir de chasser les démons. Mais voici, Seigneur, je me tiens sur le rocher. J'invoque ton nom, Jésus. Donne-moi l'autorité. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Rends-moi invulnérable. Que l'ennemi n'arrive pas à me toucher. En ton nom, Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je chasse les démons. Je commande à ces démons qui tourmentent ma vie de libérer ma vie. Au nom de Jésus, Satan, je t'ordonne maintenant, libère ma vie. Au nom de Jésus, Satan, tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu par Jésus. Tu as été vaincu par le sang de l'agneau. Ta puissance est vaincue. Tu es complètement vidé de ta puissance. Jésus est le seul Seigneur. Je te commande maintenant. Lâche mon corps. Libère ma santé. Au nom de Jésus-Christ, libère ma santé. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, libère ma santé. Ne viens plus jamais toucher mon corps. Sors de mon corps. Libère ma santé maintenant. Libère mes jambes. Libère mes bras. Libère mon ventre. Libère mon cœur. Libère ma poitrine. Libère ma tête. Au nom de Jésus. Va-t'en maintenant. Sors de ma famille. Libère ma famille. Je te commande. Esprit mauvais. Libère ma famille. Je te commande, esprit impur, sors de mon ministère. Je te commande, esprit impur, sors de ma vie. Je te commande, esprit impur, lâche mon mariage. Je te commande, au nom de Jésus, va-t'en, libère mes enfants. Libère mes enfants. Je détruis tes œuvres par la puissance du sang de Jésus. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu, diable. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Ta place n'est plus dans ma vie. Tu n'as plus de place dans ma vie. Sors de mon corps. Sors de ma vie. Sors de ma famille. Au nom de Jésus-Christ.
Continue maintenant à prier, à chasser les mauvais esprits. Continue à chasser ces démons. Ne les laisse pas. Détruis-les. Commande-leur de libérer ta vie, d'aller dans les lieux arides. Jésus-Christ est vivant. Sa présence, la présence des démons dans ta vie, est une présence illégale. Parce que Jésus les a vaincus, il a triomphé de ces démons et il les a mis dehors. Parce que tu es racheté, le prix a été payé. Tu es racheté, Jésus a payé le prix auprès du Père qui voulait un sacrifice parfait. Ce sacrifice parfait a été offert au Père. Le prix a été totalement payé. Tu ne peux pas continuer à payer la même dette alors qu'elle a été totalement payée. Jésus a tout payé à la croix. Tu ne peux pas payer la même dette deux fois. C'est fini. La présence du diable est illégale. Le fait qu'il te dise que tu lui payes lui alors que ça ne lui appartient pas, c'est illégal. Ne l'accepte pas. Mets-le dehors. Au nom de Jésus, chasse ces démons qui tourmentent ton enfant, qui tourmentent ta vie. Ta vie est unique, elle est précieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci roi des rois. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être appelé Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ pour ton salut éternel. Pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Dieu de miséricorde. Que ton grand nom soit béni. Que ton grand nom soit adoré. Que ton grand nom soit magnifié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais prier pour toi. Sois libre maintenant. Sois totalement délivré par la puissance du nom de Jésus. Je te déclare libre. Je te déclare délivré par la puissance du sang de Jésus. Ces démons qui traînaient dans ta jambe, dans ton genou, qui traînaient dans ton pied, est vaincu maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, va-t'en. Je te commande, Satan, va-t'en maintenant. Libère. Libère maintenant le corps de l'enfant de Dieu. Je te commande, Satan, va dans les lieux arides. Satan, tu es vaincu. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ta place n'est plus là. Ta place n'est plus dans le ventre. Ta place n'est plus dans la poitrine, dans le cœur, dans le cerveau de cet homme, de cette femme. Va-t'en au nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je proclame ta liberté, ta délivrance complète. Aucun démon ne doit plus venir troubler tes nuits. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit d'insomnie de te libérer maintenant au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Aucun démon ne doit troubler tes nuits, ne doit troubler tes affaires, ne doit troubler ta famille, ton mariage, tes enfants, ta santé. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Va-t'en maintenant et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Tu te sens léger, tu te sens délivré, tu te sens libre. Tu respires mieux, tu vis mieux. Écris-le, témoigne-le par un écrit. Tu peux l'écrire, tu peux le témoigner. Écris, tu es dans quel pays, dans quelle ville. Écris ce que tu ressens maintenant pour édifier d'autres personnes. Tu peux l'écrire maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous lisons Matthieu 4, avant de prier pour des cas de maladie. Nous lisons Matthieu 4. Matthieu 4, de 23 à 24. La Bible nous dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie.
et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Voilà un passage biblique sur lequel tu peux fonder ta foi avant de prier pour ta guérison. Tu as donné beaucoup d'importance à la grandeur de la maladie qui est dans ton corps. Tu as eu tort de le faire. Je voudrais que tu comprennes que Jésus-Christ est plus grand que la maladie qui te tourmente. Et l'attitude qu'avait David. Lorsque David a vu Goliath, il n'a pas vu la taille de Goliath. Il ne s'est pas laissé impressionner par la taille de Goliath, ni par ses armes, ni par son expérience militaire. Mais il n'a regardé qu'au Dieu qui était plus grand que Goliath, le Dieu Tout-Puissant. Il s'est appuyé sur ces dieux-là. David n'avait pas non plus regardé à sa petite taille. David n'avait pas non plus regardé à son manque d'expérience comme Goliath. Il a regardé au Dieu qui est plus grand que lui, plus grand que Goliath, et qui pouvait le secourir. C'est ce que tu dois faire maintenant. Tu dois regarder ta maladie comme étant toute petite devant la puissance de Dieu. Il faut que tu regardes que Dieu est plus grand que ta maladie. Il y a des maladies dont les noms ont terrifié des gens. On les a tellement vantées qu'ils font trembler. Dès qu'on te dit que tu as le VIH, tu te dis que c'est fini. Il n'y a pas de solution à ça. Je voudrais te dire que Jésus-Christ a une réponse à ça. Jésus peut te guérir du VIH. Il y a des témoignages. Quelqu'un te dit que tu as un cancer. Ne dis pas que c'est fini pour moi, je rédige mon testament. Défie le cancer. Au nom de Jésus, comme David avait défié Goliath, va au nom de Jésus, qui a vaincu la mort et qui est vivant, et tu vaincras le cancer. Tu témoigneras. L'ennemi amène l'endométriose. Il te dit que ça ne se guérit pas. Défie l'endométriose. Dis, si ça ne se guérit pas, je serai parmi les premières personnes à témoigner. Je vais témoigner que Dieu a vaincu l'endométriose. Dieu est capable de vaincre la maladie récurrente qui est dans ton corps. Cette maladie qui ne veut pas partir. Cette maladie qui revient régulièrement. Jésus-Christ est suffisamment tout-puissant pour te guérir et te délivrer de cette maladie. La maladie est plus forte que toi et n'est pas plus forte que le Seigneur. Tourne-toi vers Jésus. C'est le moment de te tourner vers le Seigneur, le Dieu de gloire. Il est le seul qui peut te donner la solution à ces problèmes. Parce que la Bible vient de nous le dire dans Matthieu 4, de 23 à 24, que Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans des synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus ne s'arrêtait pas qu'à enseigner. La Bible précise qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Lorsqu'on dit toute maladie, c'est toute maladie, y compris la maladie qui est dans ton corps. Crois seulement, le Seigneur va te guérir. Par ses moyens, beaucoup ont été guéris. Je crois que certains sont en train de lire des témoignages que nous publions sur notre compte Facebook. Lorsque tu lis, tu comprends que Dieu est en train d'agir. Lorsque tu es guéri, envoie-nous aussi ton témoignage. Nous allons le publier. Voilà pourquoi il est important de témoigner. Tu édifies les autres. Il y a des gens qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont jeté leurs béquilles. Vous avez des témoignages là sur mon compte Facebook. Des prières qu'on a fait hier, qu'on a fait avant-hier. Il y a des gens qui ont jeté leurs béquilles, qui ont marché. Il y a des gens qui ont été guéris, délivrés. Des maladies qui ont duré depuis 5 ans, depuis plusieurs années, qui sont guéris. Quoi seulement, ce Dieu-là est vivant. Avec ces prières simples que nous faisons, simples, crois seulement, la puissance de Dieu est là. Elle se manifeste déjà auprès de toi. On nous dit que Jésus guérissait toute maladie, toute maladie. On nous dit qu'on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres. Des maladies et des douleurs de divers genres. Tu peux avoir une maladie qui n'a pas de douleur. Tu n'as pas de douleur dans le corps. Mais la maladie est là dans le corps en train de ronger. Il y a aussi d'autres maladies qui s'expriment à travers des douleurs. Voilà pourquoi nous différencions des douleurs avec des maladies.
Je voudrais donc que tu comprennes que le Seigneur guérissait le tout. Infirmité, douleur, maladie, paralysie, il guérissait le tout. Lorsque tu vois un de tes membres paralysé, ne te résigne pas. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Non. Tu es un homme, tu es tombé dans l'impuissance sexuelle. Ne dis pas c'est fini, je suis trop jeune, comment ceci m'arrive, comment cela m'arrive. Prie tout simplement. Crois que cela va se rétablir. Proclame que je ne mourrai pas comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur me rétablit. Chaque jour, confesse cela. Maintenant, nous prions, crois seulement. La main du Dieu Tout-Puissant est là pour te faire du bien. Notre Seigneur est Tout-Puissant. Il a relevé ceux qui avaient des membres paralysés, des gens qui étaient paralytiques. C'est-à-dire, les jambes ne peuvent plus marcher. Ces gens ont marché, ont porté leur lit, ils sont partis. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue de guérir, de restaurer des membres qui ne fonctionnaient plus. Une sœur du nom d'Angélique qui est en Belgique a témoigné que sa mère souffrait de l'arthrose au point que ses doigts ne pouvaient même plus tenir une tasse. Tenir une tasse pour prendre du café, elle ne pouvait plus parce que les doigts étaient bloqués de souffrance, de douleur d'arthrose. Mais avec la prière qu'on a fait l'autre jour, notre maman aujourd'hui peut serrer la main à quelqu'un, elle peut prendre sa tasse et boire du café elle-même. Ses doigts fonctionnent parfaitement parce que c'était paralysé. Maintenant, le Seigneur a redonné la vie à ses doigts. Ce Dieu-là est le même, il peut guérir ton impuissance sexuelle. Il est le Dieu vivant qui peut te restaurer aujourd'hui. Crois seulement, il est vivant, il guérit. Il est le Dieu qui guérit les cancers, il est le Dieu qui anéantit les puissances des démons, toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à la prière. Je t'invite à prier. Prie parce que c'est la prière qui conduit, la prière de la foi, bien entendu, qui conduit à la guérison. Je voudrais maintenant, au moment où nous parlons, que tu commences toi-même à parler à Dieu au sujet de la maladie que tu as dans ton corps, de la douleur que tu as. Parle à Dieu toi-même avec tes propres mots. Commence à lui dire que Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Demande la guérison. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci car tu exauces mon frère, tu exauces ma sœur. Gloire à toi Jésus. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié. Je te bénis mon Dieu, je t'adore pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu es en train d'accomplir dans les corps de mon frère, dans les corps de ma sœur. Béni soit ton saint nom, créateur des cieux et de la terre. Je te bénis Dieu, je t'adore. Merci Seigneur. Merci d'exaucer la prière que ton enfant te fait maintenant. Alléluia. Tu pries avec moi maintenant. Reprends cette prière simple que je vais faire. Répète cette prière, tout simplement. Pose la main là où tu as la douleur, là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal ou là où tu es malade. Pose tout simplement la main dessus. Dis ceci. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de compassion. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et pour ta miséricorde. Tu es mort à la croix à ma place. Tu as souffert à ma place. Ton sang a coulé pour me donner la vie. Jésus-Christ, merci pour ton sang qui a coulé également pour ma délivrance. Merci pour ton sang qui a coulé pour ma guérison. Jésus-Christ, merci pour ton sang qui a coulé pour ma liberté. Je viens te remercier, Seigneur, car tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me délivre. Par tes blessures, je suis guéri. Par tes blessures, je suis guéri. Je te confie ma souffrance. Seigneur Jésus, enlève ma douleur. Enlève cette maladie de mon corps. Jésus-Christ, guéris-moi.
Jésus-Christ, aie pitié de moi. Jésus-Christ, guéris-moi. Jésus-Christ, enlève la douleur de mon corps. Jésus-Christ, tu as porté ma douleur à la croix. Enlève ma douleur. Enlève les conséquences de cette maladie. Enlève cette maladie, Jésus. Sépare-moi de la maladie. Guéris-moi complètement. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour infini. Merci pour ton amour. Merci, Jésus-Christ, car tu me délivres et tu me guéris maintenant. Alléluia. Reste calme. Je vais prier pour toi, pour ta guérison maintenant. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sois totalement guéri. Reçois ta guérison maintenant par la puissance du nom de Jésus. Sois délivré, sois libéré par la puissance du nom de Jésus-Christ. Sois guéri par le sang de Jésus. Sois guéri de toute douleur au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus maintenant dans le corps de ton enfant. Jésus-Christ, aie pitié de ton enfant. Manifeste tes grandes compassions. Manifeste tes grandes compassions dans son corps. Délivre-le de l'infirmité, de la douleur, de la maladie. Que le corps de ton enfant soit restauré, guéri. Mon Dieu, nous savons que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu bon, le Dieu plein d'amour. La guérison est un don d'amour qui vient de toi. Tu ne guéris pas les hommes parce qu'ils sont bons, tu les guéris parce que toi-même tu es bon. Tu es amour et miséricordieux. Manifeste cette grâce maintenant dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant commander à la maladie qui tourmente ton corps, de libérer ton corps maintenant, au nom de Jésus. Satan, je t'ordonne. Lâche ce corps maintenant et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, esprit impur, ta place n'est plus dans ce corps. Ton séjour dans ce corps a expiré par la puissance du sang de Jésus. Cet homme, cette femme est racheté maintenant par le sang de Jésus. Tu es vaincu. Va-t'en maintenant, Satan. Lâche le corps au nom de Jésus-Christ. Je commande aux démons du cancer de libérer ton corps au nom de Jésus. Je commande à l'esprit du cancer de partir. Je commande aux racines du cancer de sécher complètement. Va-t'en, Satan. Lâche le corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie de la peau de libérer ton corps. Sois guéri de toute maladie de la peau. Que ta peau soit guérie complètement. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les plaies qui refusent de se cicatriser, de se cicatriser. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sois guéri, sois délivré de tous les liens sataniques, de toutes les maladies diaboliques, de tous ces mauvais sorts qui ont été jetés sur toi par les démons, par des sorciers, par des marabouts, par des hommes méchants. Ces mauvais sorts sont vaincus maintenant par le sang de Jésus. Sois délivré de toute douleur, de toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant. Jésus-Christ est tout-puissant. Il a triomphé des dominations et des autorités par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu es vainqueur par le sang de Jésus. Sois libre maintenant.
Sois délivré, libéré de toute puissance de l'ennemi. Sois guéri de toute maladie, du diabète, de l'hypertension. Sois libéré de ces maladies au nom de Jésus-Christ. Je commande à ce démon qui vient tourmenter ta vie de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'hypertension, au diabète de libérer ton corps. Au nom de Jésus, sois libre. Sois totalement guéri, totalement délivré. Sois guéri de ton pancréas, guéri de ton sang. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit satanique qui détruit ta santé, de libérer maintenant ta santé. Je le déloge de ton corps au nom de Jésus. Je le déloge de ta vie au nom de Jésus. Sois guéri des maladies du cœur. Que ton cœur fonctionne parfaitement bien. À partir de cet instant, sois guéri des poumons. Que tes poumons fonctionnent parfaitement bien. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri de la gastrite. Sois guéri de l'ulcère. Au nom de Jésus-Christ, sois libre par le sang de Jésus-Christ. Sois guéri du cœur, guéri des poumons, guéri de la gastrite, guéri de la respiration. Des voies respiratoires sont ouvertes maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à ce démon qui tient ta gorge de libérer ta gorge. Au nom de Jésus, va-t'en Satan, va-t'en Satan, lâche la gorge de cet homme, lâche sa gorge au nom de Jésus-Christ. Je détruis le plan du diable contre ta vie au nom de Jésus. Par le sang de la rédemption qui a coulé pour te racheter, pour te délivrer, pour te sauver, je commande à Satan de te libérer maintenant. Satan, lâche les os de cet homme, lâche les os de cette femme. Au nom de Jésus, lâche ses nerfs et ses muscles. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri de toutes ces douleurs par la puissance du nom de Jésus. Je viens commander à toutes les douleurs que tu as à cause de ces kystes, de cette tumeur, des endométrioses, des douleurs causées par des myomes, des fibromes. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous ces kystes, à toutes ces excroissances, je commande aux myomes et aux fibromes, aux endométrioses de libérer ton corps. Je commande aux kystes de disparaître maintenant. Je commande aux myomes de disparaître maintenant. Je commande aux kystes de disparaître maintenant. Fibromes, disparaissez au nom de Jésus. Endométriose, disparaissez au nom de Jésus. Allez-vous-en. Vous êtes condamnés à vous dissoudre maintenant par la puissance du sang de Jésus. Tumeur cancéreuse, vous êtes condamnés à vous dissoudre maintenant par la puissance du sang de Jésus. Libérez ce corps. Allez dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Votre place n'est plus là. Vous êtes vaincus par le sang de Jésus. J'ordonne à toute puissance du diable qui t'empêche de marcher, qui t'empêche de bouger tes bras, qui t'empêche de bouger ton cou, de libérer ton cou, de libérer tes jambes, de libérer tes bras. Au nom de Jésus, sois guéri, sois délivré au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Sois libre maintenant. Sois guéri, sois délivré de l'impuissance sexuelle. Sois délivré de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, rétabli complètement au nom de Jésus. Sois guéri maintenant des infections récurrente. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces infections de stopper maintenant. À leurs conséquences, de stopper maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Satan, va-t'en. Lâche ce corps. J'ordonne à ces infections de libérer ton corps. J'ordonne aux hémorroïdes de partir maintenant au nom de Jésus. Je les commande de lâcher ton corps au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri de l'hémorragie, de ces saignements. Sois guéri. Je commande à ces saignements de s'arrêter au nom de Jésus. Sois délivré, libéré complètement au nom de Jésus. Que tes entrailles soient bénies. Que tout ton corps soit béni. Sois guéri et rétabli complètement au nom de Jésus. Reprends le mouvement de tes membres. Seigneur Jésus, guéris cet homme, guéris cette femme qui a des problèmes des yeux et qui a des problèmes des oreilles. Consent de rétablir ses yeux. Au nom de Jésus, j'ordonne à ta myopie de te libérer. Vois clairement. Je commande à tout esprit d'aveuglement de libérer tes yeux. Au nom de Jésus, sois complètement libre. Vois clairement. Vois clairement. Je commande à tout esprit de myopie de te libérer. J'ordonne
à tout mauvais esprit qui veut amener l'aveuglement dans ta vie, de libérer tes yeux. J'ordonne à tout esprit d'aveuglement de te libérer. Vois clairement. Ouvre les yeux. Vois clairement au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit d'aveuglement. Tout mauvais sort jeté sur toi pour que tu ne vois plus et vaincu par la puissance du sang de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri des oreilles. Sois guéri des oreilles au nom de Jésus. Des bourdonnements, des sifflements. Sois guéri au nom de Jésus. J'ordonne à toutes ces puissances démoniaques de libérer tes oreilles au nom de Jésus. Sois délivré maintenant. Libéré maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de surdité de libérer tes oreilles. Sois complètement libéré. Complètement libéré au nom de Jésus. Satan, va-t'en. Esprit de surdité, lâche cet homme, lâche cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je commande à tout esprit d'infirmité de te libérer. Sois totalement rétabli. Sois totalement guéri. Commence maintenant à faire ce que tu ne pouvais pas faire en remerciant le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis guéri. Je suis délivré. Je suis libéré au nom de Jésus. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Alléluia. Commence à le glorifier. Marche, bouge. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Jésus est avec toi. Tu as ta guérison, tu es guéri. Célèbre le Seigneur, glorifie-le. Et si tu es guéri, écris-le. Écris-le, témoigne-le par les écrits. Témoigne-le en disant, je suis guéri de maux de tête. Je suis guéri du cœur. Je suis guéri de telle douleur. Témoigne-le. Et le monde saura que Jésus-Christ est vivant. Parce que tous les miracles qu'il fait, c'est pour que toi tu saches qu'il est vivant, qu'il t'aime. C'est son amour qu'il exprime envers toi. C'est sa miséricorde qu'il exprime. Il veut manifester sa gloire, son amour pour toi. Et il faut le témoigner. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bouge. Bouge, fais encore ces gestes au nom de Jésus. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni. Sois glorifié, Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour toutes les bontés que tu manifestes pour nous ce soir. Merci pour ces âmes que tu délivres, pour ces cœurs que tu guéris. Merci, Dieu des armées, pour tes bontés infinies. Tu es digne d'être adoré, d'être glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang de la rédemption qui continue à guérir aujourd'hui, car ta puissance est toujours là. Il n'y a pas de date de péremption sur ton sang. Il n'y a pas de date de péremption sur la puissance de ton esprit. Mais la puissance du diable, elle est expirée complètement par ta puissance. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la guérison de ma soeur, pour la délivrance de mon frère. Alléluia. Sois béni Dieu. Sois glorifié pour ta fidélité. Merci Seigneur. Voilà, nous allons là arrêter notre émission d'aujourd'hui. Nous allons terminer ce programme demain soir à 18h, heure d'Angleterre. Nous allons nous retrouver pour demander encore la miséricorde de Dieu. Tu connais quelqu'un qui est malade? Connecte-le, invite-le à pouvoir suivre ce programme. Dieu est bon, il peut lui faire du bien. Cette personne sera reconnaissant envers Dieu, mais aussi reconnaissant envers toi. Il est temps de partager cette vidéo aux autres. Si tu avais raté les vidéos passées, des enseignements sur les transferts d'onction, les enseignements sur la prière, tu peux aller sur mon compte YouTube, sur mon YouTube, Dr Job Mukadi officiel. Tu vas trouver Job Mukadi officiel, Dr Job Mukadi officiel. YouTube, tu vas trouver ces enseignements sur les transferts d'onction, sur comment obtenir des guérisons instantanées et les prières qu'on a fait hier. Vous allez retrouver cela sur mon compte YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 18h. Continuez à célébrer le Seigneur. Si Dieu t'en convainc, jeûne demain. Sois en jeûne et en prière.
Cherche la face de Dieu dans le jeûne pendant toute la journée. Cherche la face de Dieu. Quand on se retrouve le soir, c'est pour que les ténèbres cèdent la place à la lumière dans ta vie. Il faut que des choses démarrent autrement. Il faut que la différence s'efface dans ta vie. Au nom de Jésus, je te bénis. Que la grâce de mon Seigneur repose sur toi. Que sa bénédiction t'accompagne. Que sa puissance soit avec toi. Sois béni. Sois rempli de la vie de Christ. Sois totalement libre et consolé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.